Les platanes font partie intégrante de notre patrimoine paysager, que ce soit au bord des routes, dans les parcs ou même dans les centres-villes, où ils sont très appréciés pour la douceur de leur ombre et la facilité de leur entretien. Aujourd'hui, ils sont menacés par le chancre coloré. Ce champignon a été introduit en Europe lors du débarquement de Provence de 1944 via les caisses de munitions américaines construites en bois de platane. Depuis, sa zone de contamination n'a cessé de s'étendre. En infectant dans un premier temps la base de l'arbre plus une partie du tronc, ce champignon oblige le platane contaminé à bloquer progressivement ses vaisseaux conducteurs de sève, ce qui cause son dépérissement très rapide entre 2 et 5 ans. Les premiers cas de chancre coloré en Savoie ont été observés fin 2006, ce qui nous oblige à être très vigilants pour limiter sa propagation. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'existe aucun vaccin pour soigner les arbres atteints de cette maladie. Et en plus, il y a énormément de voies de propagation. Le système racinaire de proche en proche, les plaies causées par les animaux ou l'homme, l'eau et même le transport de bois ou de sols contaminés. Difficile de diagnostiquer si un platane est malade, ou en tout cas, souvent trop tard. Certains indices peuvent nous alerter, même si le chancre n'en est pas toujours la cause. Un feuillage clairsemé, voire absent, une écorce anormalement grise et craquelée, et surtout, de longues traînées verticales et violacées sur le tronc. Vous connaissez maintenant mieux les effets du chancre coloré sur nos platanes. Pour en savoir plus, le Conseil général met à votre disposition sur son site internet une fiche technique qui vous apprendra les méthodes de prévention contre ce parasite. Dans le prolongement des Grenelles de l'environnement initiés par le gouvernement, nous pouvons prendre chacun notre part de responsabilité afin d'améliorer au quotidien notre cadre de vie. Thank you.